Bonjour, je suis Pierre-André Mourier, responsable projet Griffon chez Nexter Systems. Et je vous présente le Griffon, qui est notre produit principal, celui que nous sommes en train de livrer dans les plus grandes quantités aux forces armées françaises. 1800 au total à la fin du contrat et 300 également qui intéressent les forces armées belges et qui seront livrés à la Belgique à peu près dans les mêmes années. Le Griffon, c'est une famille de véhicules. Il existe en 10 versions pour le moment et bientôt une 11e. Celle-ci que vous voyez derrière moi, c'est celle qui transporte 10 fantassins, celle qui est produite dans la plus grande quantité pour les régiments d'infanterie. Mais il y a aussi des versions pour le génie qui portent un mortier, des équipes mortiers de 80 mm, qui portent des équipes anti-char, ainsi qu'une version d'évacuation sanitaire. Et la toute dernière version qui est en cours de conception emporte un mortier de 120 mm qui en fait une véritable pièce d'artillerie. Donc le Griffon remplace le véhicule de l'avant blindé qui était en service en France depuis les années 70 à peu près. Et il apporte aux militaires trois qualités reconnues pendant la première projection en OPEX qui a eu lieu au Mali en 2021. C'est une protection incomparable à ce qui existait avant, une mobilité très satisfaisante même dans les conditions les plus difficiles qui ont été connues au Mali, et puis une capacité d'emport et d'agression démultipliée grâce à un tourello téléopéré extrêmement précis et qui lui apporte une grande puissance de feu. Donc le Griffon, c'est vraiment notre produit phare aujourd'hui.